Je ne gouverne pas avec ma famille. Moi, je suis chef de l'État, président de la République. Je ne gouverne pas avec ma famille. Peut-être que ça se fait comme ça ailleurs en Afrique, mais pas en Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo. Moi, la présidente, toute ma vie, et ça, ça se sait non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique et dans toute la France politique, dans toute la France politique, j'ai lutté pour la démocratie. En fait, c'est ça, l'homme. Il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. J'ai lutté pour la démocratie et c'était au moment où nous ne savions même pas si le mur de Berlin allait s'écrouler. Nous ne savions pas ça. Donc on luttait avec un courage. Mais on était convaincus que nous-mêmes, on n'allait pas voir la démocratie triompher. Mais le mur de Berlin s'est écroulé et nous a aidés à gagner la victoire du multipartisme et de la démocratie. On nous a attaqué en 2002. J'ai fait mon travail. C'est-à-dire que je n'ai jamais cru que la Côte d'Ivoire allait s'en sortir par la guerre. Je n'ai jamais cru ça. J'ai toujours cru qu'on s'en sortirait par la discussion. Même si je sais qu'ils ont tort. Mais pour s'en sortir, j'ai toujours cru à la discussion. Alors j'ai parcouru toute l'Afrique. Nos pays, nos États, et ce sera mon dernier point, sont fragiles. Nos États sont fragiles. Et chaque fois qu'un chef d'État européen ou occidental me disait « Faites la démocratie en Afrique », je lui disais « Nous avons besoin de la démocratie, non pas parce que vous le dites, mais parce que nous-mêmes, nous en avons effectivement besoin pour construire nos États. » Madame, regardez la Côte d'Ivoire. Si nous n'employons pas la démocratie, comment nous allons choisir le chef de l'État? Il y a à l'est, adossé à la frontière ghanéenne, les Akans, qui ont un mode à eux pour choisir les chefs de village ou de canton ou leur roi. Nous avons à l'ouest un pouvoir éparpillé. Nous avons au nord les malinqués islamisés qui se regroupent autour des mosquées et à côté d'eux les senoufos qui se retrouvent dans les bois sacrés. Quel mode électoral allons-nous prendre? Donc la démocratie nous aide parce que elle fait tabula rasa de tout cela et elle donne à chaque individu considéré comme citoyen une voix. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement le vote. C'est qui dit le vote? Qui dit le résultat du vote? C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Je souhaite que tous les Africains, qui me soutiennent, ils sont dans leur pays en train de manifester,
en train de marcher, tous ces Africains-là, qu'ils comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent. Je vous remercie, madame.